sûr que rainure, tablette, faire face à petit molette antérieurement à la pose. Petit molette. Ah. Insérer avec vigueur. Bon. Hey. Hey, moi, je comprends rien. Pourtant, le vendeur m'a dit que c'était super facile. Viens donc m'aider à la place. Ben, pour moi, c'est pas comme ça. Hein. Hey, veux-tu? Viens m'aider. Tiens, là. Tiens, ça, ça va. Prends ton bout, là, tu rentres ça dans les... Non, pas comme ça. Ton... Il est croche, ton morceau est croche, tu as le droit. Laisse-moi faire. Bon, laisse-moi faire. Tu sais, donne-moi les vis que tu avais tantôt. Bon. Ça. Laisse commencer. Je les ai plus. Là, je les ai sortis tout à l'heure, puis. Quoi? Hey, Jean-François, qu'est-ce que t'as dans la tête, donc? Et ça. Ah, c'est qui ça, celui-là? Christ. T'aurais pu être plus gentil. Jeff met toutes ses économies dans un cadeau pour le bébé. Toi, tu l'engueules. Il a les mains pleines de pouces. C'est pas étonnant. Tu veux jamais lui prêter tes outils. S'il était moins maladroit, je lui prêterais. Mais où veux-tu qu'il apprenne si tu lui montres pas comment? À l'école. Moi, j'ai appris à tenir un marteau en troisième année pendant que les filles apprenaient le tricot. Maurice, la menuiserie, c'est plus au programme. Aujourd'hui, c'est l'économie familiale. Savais-tu que ton fils sait coudre à la machine puis faire des saucisses en coiffe? Hmm? Des saucisses en coiffe? Ouais. Christ, on peut bien avoir un conflit de génération, des saucisses en coiffe. Ah, puis cette nuit, là, quand je suis allée lui porter ses médicaments, Madame Frenette, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas encore couchée. Elle me prend pour une petite fille. Mmh. Une petite fille qui travaille beaucoup trop fort, oui. Elle décerne jusqu'au milieu de mes joues. Hey, je me suis jamais sentie aussi en forme. C'est pas ça que tu travailles de nuit. Bon, veux-tu un café? Non, c'est mieux pas. Faut que tu dormes pour récupérer. Alors, est-ce que tu travailles ce soir? En tout cas, Mélanie, il va falloir reparler de tout ça. Parce que moi, je trouve que t'en prends beaucoup trop. Entre, Jérémy. Maman, hein? Est-ce que ça te tenterait de faire mon lunch? Jérémy, je suis pas ta bonne, hein? OK, d'abord, je vais manger à la cafétéria. J'ai pas de monnaie? Mais c'est pas grave, garde le reste. Hey, wow, qu'est-ce qui te prend? Mais dépêche-toi, tu vas t'entendre. Bye. Bye! Ciel, mon mari! Ah! Tu t'es encore roulé dans le stupre avec l'infâme Benoît! Infâme, c'est vite dit! Ses intentions sont-elles honnêtes, au moins? J'espère bien que non. Oh, ma cibolac! Pourquoi est-ce qu'on ne viendrait pas ensemble? Benoît, on est ensemble. Non, mais ensemble, pour vrai, là. Hein? Moi, j'en ai assez de me cacher. Tu me traites comme si j'étais un amant de passage. Tu me fais pas confiance? Benoît, faut pas faire de projet, on risque de tout gâcher.
Cette année, au Canada, 3 étudiants sur 10 ne compléteront pas leurs études secondaires. Ils se pensent libres, mais vite ils se retrouvent seuls, avec leurs illusions. Déjà, de plus en plus de nouveaux emplois exigent un diplôme d'études secondaires. Imaginez en l'an 2000. Plus que jamais, il faut encourager les jeunes à rester à l'école, pour eux comme pour nous. C'est une question d'avenir. Terminer son secondaire, c'est le choix à faire. Voici Pierrot. Pierrot ne dit pas grand-chose quand il déguste ses super fries de McCain. Pour lui, que les super fries ne contiennent pas de cholestérol et peu de graisse saturée n'a aucune importance. Les super fries de McCain, des frites croustillantes et succulentes, cuites dans votre four pour ceux qui préfèrent se taire et déguster. Avec leurs petits chapeaux ridicules et leurs pantalons. En compagnie de Dominique Michel et Jean-Pierre Ferland, faites connaissance avec Jean Lapointe. Parce qu'il faut rire sa vie, jeudi 20h. Mes invités de jeudi soir ont le jeu dans le sang. Et pour certains d'entre eux, le jeu s'est transformé en drame. Ils y ont engouffré de grosses sommes d'argent, ont perdu amis, emploi, famille. La passion du jeu, jeudi 21h. Eh bien, bon appétit tout le monde. Je vous parle toujours en direct de chez Germain-Larivière, le petit cousin de Sainte-Rosalie. Là, évidemment, je suis dans le département des réfrigérateurs. Une marque tout à fait spéciale, c'est la marque Frigidaire. Justement, c'est tellement connu et populaire, cette marque-là, que bien des gens, d'ailleurs, appellent ça, faussement, mais quand même, un Frigidaire. Bon, venez donc prendre le vôtre. Imaginez-vous donc, ça gèlera même pas votre budget. Pourquoi? Parce que vous l'achetez maintenant, vous le faites livrer d'ailleurs tout de suite et vous ne payez qu'en octobre 1991. Venez faire un tour chez Germain-Larivière, c'est l'autoroute 20, la sortie 138, ça vaut le déplacement. Il est temps que t'arrives. J'allais m'en aller. Qu'est-ce que tu fais à Montréal? Je suis venue voir mon avocat. Son bureau est tout près d'ici. Tu vas pas divorcer pour vrai? J'ai déjà repris mon nom de jeune fille. Mais oui, mais maman, ça n'a pas de bon sens, ça. T'agis sur un coup de tête, là. On défend pas comme ça un mariage qui dure depuis 43 ans. Est-ce que je me suis mêlée de tes affaires quand t'as divorcé? Ben certain, tu m'appelais 3 fois par jour. J'aurais pas dû. Bon. Faut que j'y aille. Déjà? On va se revoir. Je suis ici pour 3 jours. Tu viens coucher chez nous? Thérèse m'a déjà invitée. Elle a un beau condo à Longueuil avec un sauna, une piscine. J'ai décidé de me gâter un peu. Et puis, le notaire habite sur la rive sud. Quel notaire? Je vais à la maison. C'est des gens de Saint-Hubert qui achètent. Tu montes charmant. Notre maison, mais tu peux pas faire ça. Pourquoi? Ben, j'ai été élevé là, moi. C'est toute mon enfance que tu vends, là. Faut savoir tourner la page, Benoît. Bon, ben, j'y vais. Hein, je suis déjà en retard. Tu sais, je pensais que c'était mieux que ça, le bureau de professeur. J'ai des meubles pour toi, si tu veux. Ce du petit salon ferait très bien ici. Non, non, je t'en prie, c'est pas nécessaire. Ton père est quincaillé, puis son bureau est plus beau que le tien. Bon, ben, bonjour. Fais attention à toi, hein? Mmh. Je t'appelle demain. Ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu fais, là? T'arrives bien tard? Si le rôti est trop cuit, ce sera de ta faute. Je pensais que t'étais chez Thérèse. T'as pas de louche à soupe? Oh oui, dans la moire, en dessous, là. Hein? Je sais pas comment est-ce que tu peux te retrouver là-dedans. Tu t'es cul par-dessus terre, hein? Tu t'es chicané avec Thérèse, c'est ça, hein? Elle voudrait m'empêcher de divorcer. Elle dit que je vais déshonorer la famille, qu'une femme séparée perd sa réputation, franchement. Elle qui vit seule depuis 30 ans. Ben, c'est pas pareil. Elle est veuve. Faut-il que j'assassine Henri pour lui faire plaisir? Maman, papa t'aime. Hein? Pardonne-lui donc une fois pour toutes pour revenir dans notre maison comme avant. Tu te rends pas compte de tout ce que tu m'enlèves à moi? C'est pas moi. C'est Henri. Puis, même si je divorçais pas, Benoît, c'est fini.
Henri est parti, il vit chez Cartel. Hein? Elle a avalé une douzaine d'aspirine, puis elle appelait ça une tentative de suicide. Depuis ce temps-là, il est presque toujours chez elle. Papa a décidé de vivre chez Carmen Racine. Ton père décide rien. Je ferais la même chose que Carmen. Il reviendrait tout de suite chez nous. Les aspirines, j'aime pas ça. Oui, mais je vais y parler. Vous pouvez lui dire quoi? Il va encore t'emberlificoter comme la dernière fois. Tu vas prendre son parti contre moi, merci bien. Maman, je suis pas contre toi, mais des fois, t'es tellement intransigeante. De toute façon, je peux très bien me débrouiller toute seule, inquiète-toi pas. Maman. J'ai plus de mari, plus de maison, seulement 3 mois pour me trouver un nouveau logement. Mais je vais m'arranger. Non, mais je vais t'aider. Je te demande rien, Benoît. T'as ta vie, ton travail, ta maison. Pourquoi tu ne viens pas t'installer ici pendant quelque temps? Ici? Tu peux même pas m'endurer pendant une journée. C'est trop petit pour deux. Ben non, mais c'est pas un problème, ça. Moi, je vais aller ailleurs. Où? Ben, je sais pas, moi. En bas, avec Suzanne. Vous revenez ensemble? Ça se peut, ouais. On a parlé il y a pas longtemps, puis ça se peut. Et que tu me fais plaisir. Je suis pas surprise, tu sais. Mais là, faut pas en parler à personne, hein, parce que c'est loin d'être officiel. Même que les enfants sont pas au courant, alors, hein? Oh, je dirai rien à personne. Crois sur mon cœur, parole d'honneur. Fais sûr que Renule, la tablette, fait face à Petit Molette antérieurement à la pause. Les meubles suédois avec des instructions chinois, franchement, Maurice, on sera jamais capable. Fous-moi donc ça à poubelle. T'es pas de bonne humeur? Ouais, j'ai fait une connerie. Encore? Imagine-toi donc que j'ai offert à ma mère de venir rester chez moi. Ah, félicitations. C'est un beau geste, tu le regretteras pas. Tu veux rire de moi? Ben, pas du tout. Je suis pas sûr, moi, la famille. Puis ta mère va pouvoir garder les enfants pendant que Suzanne n'est pas là. Ils vont pouvoir mener une vie plus normale. Mmh? Une vie plus normale? Suzanne veut même pas qu'ils nous voient ensemble au lit. Ah bon, parce que vous avez continué de... Bon, ça, on s'est rapprochés ces derniers temps. Mais disons aussi que ça finirait par arriver, ça. Hein? On rêve pas en couleur, Maurice. C'est juste une aventure, hein? Pour le moment, en tout cas. Une aventure? Christ, Benoît, quand est-ce que tu vas être sérieux? T'as 42 ans, pas de femme, pas de maison. Branche-toi. Vas-tu passer ta vie assis entre deux chaises? Ben, c'est à Suzanne que tu devrais dire ça. C'est elle qui se branche pas. Elle a besoin de toi, ça saute aux yeux. Elle est juste trop orgueilleuse pour le dire. Tu penses? Saisis ta chance, Benoît. Laisse-la pas passer. Si t'attends, il va être trop tard. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais, mamie? T'apportes le sac de couchage? Mets-le sur le divan. Mais pourquoi tu viens pas regarder la télévision en bas avec les hommes? Ah, t'es bien gentil, mon Jérémy, mais faut que j'aie tout fini avant que Benoît arrive. Il a dit ça quand je déplace ses affaires. Moi aussi, j'ai dit ça quand ma mère range ma chambre. Une chance qu'elle arrange pas souvent, hein? Mais t'es le prochain sur ma liste, hein? Je vais aller faire ta garde-robe. Quand est-ce que tu repars, donc, là? Après-demain. Même il y a beaucoup de choses à faire, hein? Mais t'inquiète pas. Je vais en venir. Ah. Bonne nuit, papa. Voyons, où est-ce que tu t'en vas à cette heure-là? Ben, je suis de garde, là. Je commence à 11 heures. Encore? Papa. Mélanie, Mélanie. Tu perds ton temps dans cette job-là.
Avec le talent que t'as, c'est criminel de négliger tes études. Papa, j'ai 18 ans. J'ai le droit de faire ma vie, là. Est-ce que ça te donne le droit de la gâcher? J'ai vu de la lumière, alors je me suis dit que... Assieds-toi, j'achève. La toxicomanie chez les pilotes de ligne. Hein? Tu parles d'une lecture. J'ai accepté de faire partie d'un comité syndical sur l'alcoolisme et les drogues. C'est assez déprimant. 30% des pilotes de ligne ont un problème d'alcool. 80% d'entre eux ont des problèmes reliés au stress, puis 60% sont divorcés. Oh, mais fausse solution à un vrai problème. Ils divorcent parce qu'ils sont stressés, mais comme la solitude augmente le stress, alors ils boivent. C'est un message que tu m'envoies? Ah, pas du tout. Non, non, c'est prouvé, ça, Suzanne. Les gens mariés sont plus heureux que les autres. Mais s'ils étaient si heureux, ils divorceraient pas. Ben, prends-nous deux, par exemple. On devrait habiter ensemble. Comme un couple normal, dans une famille normale. On a passé l'âge d'être assis entre deux chaises. Tu parles comme Maurice. Ah oui, parfaitement. Maurice, c'est un homme sérieux. Comme moi. Non, mais je te demande pas une réponse tout de suite, mais d'ici quelques mois, promets-moi au moins d'y penser. Je vais y penser. Quel est le secret du goût riche du jus McCain? Plus d'orange. Dans chaque boîte, le concentré McCain est fait à partir du jus de plus d'orange. Plus que Minute Maid et plus Gold South. Vous avez donc une raison spéciale d'acheter McCain? Oui, bien sûr. C'est comme un peu plus de jus d'orange dans chaque verre. Comparé à Minute Maid ou à Old South, vous avez donc une raison de plus de boire McCain? Oui, bien sûr. Faut être pour aller chez Nathalie la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu penses? Mon chandail porte bonheur. Ouais, mais les odeurs font pas le bonheur de tout le monde, hein? Hein? Tu peux-tu laver mon chandail? On va chez Nathalie ce soir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ton expérience de labo. Il est temps que t'apprennes comment faire. Tout nouveau. L'ultra-oxydat, la formule javelisante enrichie, fait disparaître la saleté imprégnée qui cause les odeurs, même en eau froide. Parfait. Marge, j'aime ton chandail. L'ultra-oxydol chasse les odeurs. Tout est ultra propre. Pas question de me laisser vieillir. J'ai l'intention de lutter tous les jours. Oil of Olay. Cette année, je frappe la trentaine. Encore. Pénétrant rapidement, elle remplace l'hydratation naturelle que l'on perd en vieillissant. La trentaine, c'est pas sorcier, je le sais. Aide à maintenir élasticité et douceur, redonnant à votre peau une apparence plus jeune. Avoir 30 ans et des poussières et en paraître... 20 et quelques, ça me dérange pas du tout. Chez Nissan, nous croyons que notre Sentra avait atteint le sommet du succès l'an dernier en remportant la pyramide du CAA pour sa durabilité. Et non, car la Sentra l'a encore remporté cette année. Chez Nissan, nous croyons que notre Sentra a vraiment atteint le sommet du succès en remportant encore une fois cette année la pyramide du CAA pour sa durabilité et sa fiabilité. La Sentra DLX 1991, chez votre concessionnaire Nissan. Germain Larivière, le petit cousin de Sainte-Rosalie, vous invite à l'ouverture de son nouveau magasin. Vous savez évidemment que chez Germain Larivière, vous allez trouver toutes les meilleures marques. Tantôt, on parlait de la marque Frigidaire. Ben ici, je suis encore dans les appareils électroménagers. Ça, c'est la collection continentale de marque White Westinghouse. Venez faire vos tours, on est là ce soir jusqu'à 9h. Également demain, toute la journée, on est ici. N'oubliez pas, Germain Larivière, ça fait 35 ans pour vous et avec vous. Germain Larivière, le petit cousin, vous prenez l'autoroute 20, la sortie 138. Et je vous le dis, je vous jure, ça vaut le déplacement. Qu'est-ce que t'as, Mélanie? Madame Frenette est morte. Qui ça? C'est une vieille dame, mais c'était mon amie. Cette nuit, quand je suis entrée dans sa chambre, elle avait les deux yeux grands ouverts. Je pensais qu'elle me regardait, mais non. Mélanie, retourne-y pas. C'est trop dur pour toi. Oh, je vais m'habituer. Je sais qu'il va mourir, donc c'est juste que... Il faut que tu lâches cette job-là.
Tu dors plus, tu vis plus. Hey, je peux pas, OK? C'est la première fois de ma vie que je sens que je suis utile aux autres, Jeff. Peut-être. Peut-être, mais toi, ça te rend malade. Hey, c'est comme ça que tu m'aides. Je te parle pour que tu me remontes, là. Puis tout ce que tu trouves à faire, c'est me couler. Écoute, Mélanie. Hey, laisse-moi tranquille. J'en ai assez, moi, que tout le monde me protège. Je suis quand même pas une petite fille. Ah, Valérie. Bonjour, Monsieur Lambert. Qu'est-ce qui t'amène? Je voudrais vous parler de ma thèse. À moi? Oui, mais c'est pas Blanchot, ton directeur de thèse? Oui, justement. T'as des problèmes avec lui? Ça fait un mois qu'il y a mon premier chapitre, et je suis sûre qu'il l'a pas encore lu. Ah, oh, ben tu sais, Blanchot, c'est quelqu'un de très occupé, hein? Son travail administratif, les réunions, les cocktails... T'as raison, c'est un maudit paresseux. Je voudrais pas parler contre un confrère, mais... Il est pire que vous pensez. Il m'avait demandé un article sur la géométrie fractale pour la revue Pythagore. Je l'ai fait. Ben, c'est lui qui l'a signé. Il avait pas écrit une ligne. Ah, oui? Ah, salaud. Je veux changer de directeur de thèse. J'aimerais ça que ce soit vous. Ah, ben, Valérie, tu me flattes beaucoup. Ben, c'est quand même délicat, hein? Blanchot, c'est le directeur de département. Je me vois pas aller lui demander de... C'est pas un problème. Je vais le faire, moi. J'ai pas peur de lui dire. Bravo. Dans ce genre d'affaires-là, ça prend du courage puis de la détermination. En tout cas, aussitôt que c'est réglé, là, je suis ton homme. Merci. En tout cas, là, quand c'est fait, là, apporte-moi ton premier chapitre puis je vais le lire tout de suite. À bientôt. À bientôt. J'ai essayé de te rejoindre, mais ta ligne était toujours occupée. J'avais décroché le téléphone. Tu sais pas qui c'est qui est venu me voir? Valérie Saint-Jean. Elle m'a demandé pour être son directeur de thèse à la place de Blanchot. J'ai hâte de voir la tête qu'il va faire. C'est une très bonne nouvelle, ça, mon cher Benoît. Prendrais-tu un petit café? Non, Valérie, c'est une excellente étudiante. Non, c'est dommage, j'ai trop de travail pour lui consacrer toute l'attention qu'elle mérite. Mais elle a fait un excellent choix. Ben, après tout, c'est toi le spécialiste de la géométrie fractale. Hein? Ah, ben oui. Ben, assieds-toi. Hein? Claire? Merci. Mon cher Benoît. Merci. Un petit peu de lait? Non, non, ça va comme ça. Sucre? Non, non. T'en prends pas, toi. Non, j'ai plus le temps. J'ai un cours dans une heure. Ah. Bonne continuation. Mm-hmm. c'est parce que t'as pas tes souliers, là. Hein? Oh, mon Dieu, je les ai oubliés dans le... Laisse, je vais aller chercher. Non, dérange-toi pas, je connais le chemin. Claire, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il est venu m'aider à préparer mon plan de cours. Ben, ah! Ma chère Claire... Au revoir. Bye-bye. Mm. Benoît. Au revoir. Salut. Salut. Bye. Bye-bye. Tu trouves pas qu'il est bizarre, hein? Non. Pourquoi? Tu trouves ça normal, t'as quelqu'un qui passe sans ses souliers? Ah, oh, ben, il a oublié de les remettre, c'est tout. Ben, j'enlève pas mes souliers quand je vais chez les gens. Ah, ça t'arrive. Ah, à moins d'avoir une bonne raison. Tu couches avec? Mais non. Claire? Oui. Mais comment peux-tu? Il est prétentieux, arriviste. Tais-toi, c'est un bon ami. Un bon ami? De quoi tu te mêles, toi? Penses-tu que t'as des droits sur moi parce que t'as passé une couple de nuit ici? Mais l'as-tu regardé? C'est peut-être pas un grand séducteur comme toi, mais c'est un bon gars. Il est divorcé pour vrai, lui. Puis quand je l'appelle, il est là. Mais oui, mais moi, je tiens à toi.
quand je pense que lui aussi, il tient à moi. Ben oui. J'aurais aimé ça qu'on fasse des projets ensemble. Es-tu sérieux? Ben oui, je suis sérieux. Moi, j'aurais toujours voulu vivre avec toi. C'est toi qui voulais pas. Vous avez bien dormi? Ah! Benoît était tellement agité. Le divan n'a pas cessé de craquer. Vous auriez dû prendre la chambre de Marilyn. Mmh. Il ne dirait pas. Hein. Mais ça lui fait tellement plaisir quand je reste près de lui. C'est un fils unique, hein? Oh, j'ai apporté ma machine à coudre pour Marilyn. Vous lui donnez? J'ai plus le temps de coudre, hein? Je commence à me débarrasser de mes affaires. Benoît t'a dit que je vendais la maison? Ah non? Et où est-ce que vous allez habiter? Tout près. Oui? Vous déménagez à Montréal? Mmh. Quand il t'en parlera, tu feras semblant de rien. Hein? J'ai promis de garder le secret. Il m'a dit que vous aviez décidé de revenir ensemble. Alors, il m'a offert son loft. Oh, c'est tellement une bonne décision. Et puis, les enfants vont être contents. Comme ça, il vous a dit qu'on allait revenir ensemble. Non, oh, faut pas lui en vouloir, hein. Benoît, t'es franc comme l'or. Il peut rien cacher. Il y en a qui se compliquent la vie. Pas moi. Je préfère les choses simples. C'est pour ça que j'aime Ivory. Ivory est tellement pur. Naturellement, il nettoie mon visage en douceur et j'ai l'air bien. Aucun autre savon n'est aussi pur. Il est si doux, même pour la peau de bébé. Pas étonnant qu'autant de femmes fassent plus confiance à Ivory qu'à tout autre savon. Avec Ivory, je me sens tout simplement bien dans ma peau. Pourquoi se compliquer la vie? À quoi rêvent les bébés? Est-ce que ma couche a des fuites? Est-ce que j'ai des fuites? Oui, j'en ai. Je déteste ça. Loves. Pendant la nuit, bébé se mouille plusieurs fois. Mais le système spécial anti-fuite de Loves permet d'en absorber beaucoup. Et maintenant, le revers Loves de la jambe contrôle les deux sortes de fuites. Je vais être astronome. Je vais faire la grâce matinée. Avec Loves, les bébés, garçons ou filles, dorment tranquilles. On vous a préparé une bonne recette de porc. Du porc? Et ce sera pas un peu... gras? Ben non. Quand vous mangez une banane, mangez-vous la plure? Ben non! Ah, le porc, c'est une viande tellement tendre, délicate, savoureuse. Le porc, délicatement savoureux. Ben oui! Votre corps n'est pas droit, votre corps n'est pas plat. Aimez-vous vraiment une maxi? Qui n'est que ça? Cotex présente les serviettes Liberté Nouvelle Contour Naturel. Des maxi-serviettes tout en courbe. Grâce à leur front souple sur les côtés, elles épousent étroitement la forme de votre corps. Aucune maxi-plate n'offre ce genre de contour ni cette protection sur les côtés. Votre corps n'est pas droit, votre corps n'est pas plat. Aimez-vous vraiment une maxi? Qui n'est que ça? Les serviettes Liberté Nouvelle Contour Naturel. Les seules à être tout en courbe, comme vous. Bonjour. Mon grand magasin vous offre ce fauteuil berçant pivotant pour seulement 419 $. Depuis 72 ans, nous faisons de gros efforts au rayon des meubles. 72 ans d'efforts. Je vais aller me reposer. Excusez-moi, mais ce fauteuil du même fabricant, Léon vous l'offre pour seulement 299 $. 120 $ de moins chez Léon. Vous pourriez payer plus cher, mais pourquoi? Mais voyons, qu'est-ce que tu fais, là? C'est pas bon pour toi de travailler debout? Non, mais je repasse une chemise pour Jeff. J'en ai pour 2 secondes. Tu te fais encore servir par ta mère, toi. T'as pas honte? Elle est enceinte de 8 mois. Mais c'est elle qui me l'a offert. Mais oui, mais moi, je suis pas impotente. T'as pas appris à repasser dans ton cours d'économie familiale, là? Bon. Je vais le faire. Mais voyons. Non, non, viens t'asseoir, toi. Allez. Hein? Veux-tu en faire un macho? Faut qu'il se débrouille. C'est pas tout de
savoir faire des saucisses en coiffe. Bonjour, l'infirmière en chef, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Mélanie Lebel. Je pense que je pourrais pas venir travailler ce soir. Je me sens pas tellement bien. Je pense que je commence une grippe. Vous voulez me voir? Pourquoi? Oh, oui. OK, d'accord. Oui, je suis aussi. Merci, bye-bye. Eh, shit! Oh! Tu l'as pas manqué. Ben, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai laissé le fer dessus 30 secondes, le temps de remettre de l'eau dedans, puis tiens. Bon, ben, tu feras mieux la prochaine fois. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, mais en attendant, elle est bonne pour la poubelle, là. C'est rien qu'une chemise, Jean-François. Montre-moi, va. Peut-être que ça partira à l'eau de Javel, tu sais. C'est une chemise à moi, ça? Ça te fait même plus. Hey, c'est ma chemise Dior! Où est-ce que tu l'as prise? Dans ta commode. T'es pas gêné. Combien de fois je t'ai dit de pas toucher à mes affaires? Hey, tout mon linge était au lavage, OK? Puis, t'es pas capable de laver? T'as mon temps à rentrer dans ma chambre, me piquer une chemise, puis la brûler? C'est toi qui m'as dit de la repasser. J'ai pas dit de la brûler! J'ai pas fait exprès, moi! J'ai pas fait exprès, moi! La belle excuse. T'es pas plus responsable qu'un enfant de 4 ans. Hey, c'est rien qu'une chemise. Fais-en pas un drame. Change de ton! T'apprendras qu'il y a des règles. Puis si tu veux vivre sous mon toit, tu vas les observer. Mais j'aime autant m'en aller. J'étais assez cueillé que tu me tombes dessus. Non, Jean-François, Jean-François! Alors, ça va mieux, la grippe? La nuit a été dure, hein? Je sais que c'est difficile la première fois. Mais dis-toi bien que Mme Frenette a eu une belle fin. Une belle fin? Hey, ça fait des jours et des jours qu'elle attendait ses enfants. Ils sont jamais venus. Elle est morte toute seule, comme un chien. Même moi, j'étais pas là. Qu'est-ce que ça aurait changé? J'aurais pu lui tenir la main, au moins l'aider à partir. Et peut-être même là, que si j'étais arrivée plus tôt, elle serait pas morte. C'est naturel de mourir, Mélanie. Et puis, Mme Frenette était rendue au bout de sa route. Puis tout le monde l'a abandonnée. Mais non, c'est pas vrai, ça. Toi, tu l'as jamais laissé tomber. Je t'ai vue, tu sais. Toutes les nuits, tu rentrais en cachette dans sa chambre, puis t'allais jaser avec elle. Elle m'a raconté toutes sortes d'affaires. À la fin, elle était un petit peu confuse. Elle me prenait pour une amie d'école, puis elle me parlait contre les sœurs. Je suis trop émotive, hein? Je suis pas capable de prendre des distances. C'est de ça dont je voulais te parler, Mélanie. Je sais, faudrait que je m'endurcisse, puis que j'apprenne à accepter. Va faire ta médecine. T'apprendras jamais, toi, à accepter. Est faite pour te battre. Claire! Ah, je savais que c'était toi. Ah, ouais, j'ai couru. Ben, je voulais pas que tu dises encore Benoît jamais là quand je l'appelle. Ah, ouais, je m'ennuie de toi. Ah, ben, je sais, mais dès que je pars, je commence à m'ennuyer. On se voit demain soir? Ouais, prépare à rien, hein? C'est ça, ouais, je te ferai des tartines pour les manger au lit. Oh, ouais, je vais apporter le vin. À demain.
Suzanne? Tu cesseras donc jamais de me jouer dans le dos? Dire que je te croyais sincère. Si bon. Ouais, mais qui c'est qui a dit? Suzanne, je te jure, c'est un malentendu. Non, 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 non. Elle m'a tout dit et c'était très clair. Elle est venue ici? Mmh. Elle m'a parlé de votre beau projet. Ben merci. T'aurais pu au moins me consulter. Non, mais c'était pas sérieux, ça. Mmh. J'ai dit que je déménagerais pour que... Tu me connais, Suzanne. Des fois, dans un élan, je vais m'emporter trop, puis je vais dire des affaires. Moi aussi, je trouve qu'Arlette fait pitié. Mais au lieu de tout combiner dans mon dos, t'aurais pu au moins m'en parler. Ah, parce que c'est Arlette qui est venue te voir. J'avais l'air d'une vraie dinde. Pourquoi tu m'as pas parlé franchement? Viens pas me faire croire que tu veux revivre avec moi quand, en fait, ce que tu veux, c'est passer l'offre à ta mère. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est les deux. Des fois, Benoît, je trouve que t'es encore plus jeune que Jérémy. J'ai jamais vu une femme compliquée de main. Je t'avais dit de pas y en parler aussi. C'est ridicule, tes cachotteries. Il va falloir que tu la forces à mettre les cartes sur la table. Ou bien elle veut rester avec toi, ou bien elle veut pas. Ah, écoute, même toi pas là de ça, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. On le dirait pas. Ça fait 6 ans que cette femme-là te fait marcher. Oui, je t'aime. Non, je t'aime pas. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut? Veux-tu que je lui demande, moi? Maman, je t'en prie. Il y a rien de mieux qu'une bonne conversation, une bonne explication entre femmes. Surtout pas, ça va déjà assez mal comme ça. Ben, merci. Je vois que mes services sont appréciés. Ben non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non. Non, j'ai parfaitement compris. Ben oui, mais si tu y en avais pas parlé aussi, tout se serait arrangé, t'aurais pu t'installer ici, mais là... C'est pas de ma faute si t'es pas capable de te tenir debout devant ton ex-femme. Si vous voulez pas m'avoir, dites-le. Je suis pas une handicapée. Je peux très bien trouver mon logement toute seule. Fais donc ça, tu sais. Oh! Oh, mon Dieu! Mon propre fils qui me met à la porte! Ben non, je te mets pas à la porte, mais là... Non! C'est correct. Je resterai pas un soir de plus ici. Je m'en vais chez Thérèse. Non, mais maman! Non. Je t'énerve pour rien, là! Pour fasciner vos invités, pensez plus haut, plus beau. Pensez au chef-d'œuvre, au pouvoir d'œuvre, pensez Ritz. Au souper ou en soirée, seul Ritz vous Ritz la vie. Oui, le chef-d'œuvre, pouvoir d'œuvre, c'est Ritz. Pour l'amour du bon, le désir du chic, le plaisir du goût par-dessus tout. Le chef-d'œuvre, pouvoir d'œuvre, le chef-d'œuvre, pouvoir d'œuvre, c'est le Ritz. Présentement, chez Mazda, ils s'en cachent des choses spéciales. Oh. Profitez des nouveaux rabais reliés à la TPS. Obtenez la transmission automatique gratuite. Gratuit? Ou un rabais équivalent allant jusqu'à 900 $ sur plusieurs modèles. Plus, tout équipé et à prix spécial, les 323. Protégé? Camionnette 626 MX6. Sportive? Attendez de voir en édition limitée la MPV et la Miata. Verte! Wow! Passez vite chez votre concessionnaire Mazda. Parce que nos super offres spéciales, elles n'attendent pas. Quand j'étais plus jeune, je pouvais pas imaginer qu'un jour j'aurais 30 ans. Mais ça arrive vite, la trentaine, avec les petites rides, la peau sèche. Ça fait réfléchir. Je me dis qu'il est temps de faire plus attention à mon visage, à ma peau. Dove contient un quart de crème hydratante et ne dessèche pas la peau comme le savon. Après m'être servi de Dove, je sens que ma peau est moins sèche, plus douce. Il y a longtemps que j'aurais dû commencer à utiliser Dove. On n'a pas idée comme le temps passe vite. Quand vous êtes prêt, Monsieur Minuit. Être ou ne pas être, là est la question. Vaut-il mieux être une céréale nutritive faite avec du blé entier à 100%? Nutritive, voilà. Ou d'avoir un bon petit givrage sucré? Oh, ça ne colle pas. Quel est mon rôle, donc? Nutritif et délicieux. Alors, je suis les deux? Oui, vous
Vous êtes aussi nutritif que bon au goût. Oh oui, mais ça fait de moi un prince, une star. Coupé. C'est pour un autographe. Coupé. À nous la gloire. Coupé. Ouais, Malimo. Coffre-fort de l'Auto-Québec. Une toute nouvelle instantanée, encore plus excitante que Route Fortune. Le suspense de gagner à la télé. 5 000, 10 000 ou mieux, 25 000, 50 000 $. Et si la chance tourne pour vous, ouvrez le coffre et gagnez jusqu'à un quart de million. Vous savez où le suspense commence, mais vous ne savez pas où il finit. Jouez le jeu, coffre-fort. Tortue? Oh! Oh, j'essaye à dire, mais c'est plus fort que moi, je dormirais tout le temps. Ça va pas? Tu sais, c'est comme si je vivais une peine d'amour. J'y ai cru tellement fort, ça occupait toute ma vie. Puis là, je me retrouve les mains vides. T'as pris la bonne décision. Oui, je sais. Mais ça me console pas. Sais-tu, je pense que j'ai un très bon remède contre les peines d'amour. Ah oui? Habille-toi. On s'en va magasiner. A franchi le portillon du métro de façon illégale. N'a pas obtempéré immédiatement aux ordres de l'agent de la paix. Les chiots de shit. Qu'est-ce qu'elle dit, là? C'était pas bien beau. Pour moi, il n'a pas fait exprès. Il va s'excuser. Écoutez, j'ai absolument rien fait. Et qui a tête dure? Le sergent t'a vu sauter le tourniquet du métro. C'était pour rire. Pas parce que je voulais pas payer. De toute façon, j'ai ma passe. T'es pas signé. Je savais pas qu'il fallait... Le titulaire doit poser sa signature dans les espaces prévus du coupon mensuel. Tu sais pas lire. C'est le tarif réduit, ça? As-tu ta carte d'étudiant? J'ai dû l'oublier dans le casier à l'école. Ajoute. Le prévenu est en possession d'un titre de transport non valide. Shit! Il est donc mal élevé. Pour moi, c'est un skin. Ouais, mais je veux pas mal court. Il me semble que ça sent drôle, sens-tu? Ben, comment? La drogue. Il sent la drogue. Mais non! C'est des boulamites, ça. Ma mère, elle en met dans mes chandails. Parce que les skins sniffent de la boulamite à cette heure. Je suppose que t'en vends. Tiens. On n'en veut plus des bombes dans le métro. Comment je vais faire pour me retourner chez nous? Inquiète-toi pas. Tu restes ici. Mais ça se peut pas. Y a personne chez vous? C'est qui travaille, ton père? Il est pas là. Il est en dehors de la ville. Ça a bien l'air que tu vas passer la nuit au poste. Écoutez, vous pouvez appeler ma marraine, Suzanne Lambert, au 723-6244. Oui, allô? Oui? Jean-François? Arrêtez? Au poste Berry-Uquam. J'arrive tout de suite. Madame Lambert? Oui? Sergent Hébert?
Vous êtes apparenté avec le prévenu? Oui. Vu la gravité des chefs d'accusation retenus contre Jean-François, je vais vous demander de signer ici avant de la relâcher. Ses parents seront convoqués devant le tribunal de la jeunesse d'ici 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. A franchi le portillon du métro de façon illégale. N'a pas obtempéré immédiatement aux ordres de l'agent de la paix. Est en possession d'un titre de transport non valide. J'ai sauté le tourniquet, mais j'avais ma passe. Seulement, j'ai pas ma carte d'étudiant. Vous allez pas l'envoyer devant le tribunal juste pour ça? C'est pas moi qui fais la loi, madame. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'oublier votre carte d'étudiant. J'ai toujours respecté les règlements. Dans mon temps, les parents prenaient ça aux jeunes. Hé! Hey, mais le métro est plein de drogués puis de voleurs. Puis vous allez arrêter un enfant pour une niaiserie? Dites-le donc tout de suite que sa tête vous revient pas. Si j'arrêtais tous ceux dont j'aime pas la face, il y aurait pas grand monde de libre. Ben n'importe qui d'un peu intelligent verrait tout de suite que ça a pas de bon sens d'envoyer un enfant devant le juge juste parce qu'il a pas sa carte d'étudiant. Quiconque utilise ou tente d'utiliser les services du transport en commun sans quitter le paiement adéquat est passible d'une amende de 300 $. C'est pas moi qui le dis, c'est le code. Article 4, deuxième alinéa. Prenez-vous les cartes de crédit? Je vais vous les payer, moi, les 300 $, mais je vais vous dire ce que je pense. Ce que vous faites, c'est écœurant, c'est ignoble, ça s'appelle de l'abus de pouvoir. Vous vous en prenez à lui parce qu'il a 16 ans puis qu'il peut pas se défendre. Vous faites du racisme anti-jeune et Hitler aurait pas fait mieux. OK. Nom, prénom, adresse du domicile, adresse au travail. Hein? Pendant que vous y êtes, appelez votre avocat. Mais qu'est-ce qui vous prend? Tentative de citoyen policier, injure en représentant de l'ordre, ça va vous coûter un bras. Excusez, est-ce que je peux appeler ma mère? Elle doit être rentrée, là. Ah, oh, ça, c'est joli, hein? Oh, oui, c'est beau. Attends. Oh. Tu réponds? Oui. Allô? Oui? Quoi? Oui. Bon, j'arrive tout de suite. Faut que j'aille chercher Jean-François au poste de police. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ils l'ont arrêté, puis Suzanne aussi. Suzanne? Oui. Tellement distrait. Je compte plus tout ce qu'il m'a perdu. Oh, son père est comme vous, hein? Ça l'enrage. Peut-être qu'il pourrait aller à l'école chercher sa carte puis venir vous la montrer. Signez ici. Vous allez recevoir une convocation d'ici 2 semaines. Oh, excusez-moi, pourriez-vous me dire où sont les toilettes? Oh! Hein? Je pense que je suis en train de perdre mes os! Quoi? Je vous amène à l'hôpital, retenez-vous, c'est pas loin. Oh, faudrait que j'appelle Maurice! Mais quand les os ont crevé, il n'y a plus de temps à perdre, je sais, j'attends mon deuxième. Envoyez, toi, tu vas t'occuper de ta mère. Oui, oui. Oh, non. Vous m'attendez. Hein? Est-ce que je peux rentrer chez moi? Écoutez, c'est complètement ridicule. J'ai des enfants qui m'attendent à la maison. Le matin, vous sentez-vous souvent trop maladroit pour faire le café? Voici donc une meilleure façon de commencer la journée avec les nouveaux paquets filtres Maxwell House. Plus besoin de tâtonner ni de ronchonner. Jamais il n'a été plus facile de faire un café Maxwell House parfait à tous les coups. Les nouveaux paquets filtres Maxwell House avec café ordinaire ou décaféiné naturellement. Une meilleure façon de déguster une bonne tasse de café. Beaucoup de comprimés décongestifs sont efficaces pour combattre la congestion nasale ou le rhume de cerveau. Mais si vous voulez un soulagement vraiment rapide, un vaporisateur nasal agit en quelques secondes et atteint sa pleine efficacité en 5 minutes. Utilisé selon le mode d'emploi, un vaporisateur nasal à effet prolongé comme Dristan agira jusqu'à 12 heures. Vous n'utilisez que 2 fois par jour et tout réjouit. Coffee.
coffre-fort de l'Auto-Québec. Une toute nouvelle instantanée, encore plus excitante que Route Fortune. Le suspense de gagner à la télé. 5 000, 10 000 ou mieux, 25 000, 50 000 $. Et si la chance tourne pour vous, ouvrez le coffre et gagnez jusqu'à un quart de million. Vous savez où le suspense commence, mais vous ne savez pas où il finit. Jouez le jeu, coffre-fort. C'est par là! C'est le grenier qu'elle a pris ou quoi? C'est juste à deux pas de l'école. Et c'est pourtant loin de briller. Heureusement, on a amené du renfort. Hé, hey, le bonhomme musclé! Grâce au surfactif biodégradable, M. Net ne se contente pas de s'attaquer à la saleté tenace. Il nettoie jusqu'à l'éclat. M. Net! Splendide. Comme vous deux. Pour une propreté éclatante, M. Net, c'est brillant. Essayez les recharges Enviropack. Certains maux d'estomac peuvent vous chavirer l'intérieur, surtout quand les brûlures, les houles cœur ou la diarrhée sont au rendez-vous. Mais il y a Pepto-Bismol. La formule spéciale à triple action de Pepto-Bismol agit rapidement et calme les brûlures, les houles cœur et la diarrhée en tapissant votre estomac d'une fine pellicule rose. Avec la formule Pepto-Bismol à triple action qui tapisse l'estomac, ça file. Qu'est-ce que t'attends? On va chercher la tisane, toi? Oui. Êtes-vous bien? Oui, très bien, mais ça, c'était pas nécessaire. Vous avez compris ce que dit le docteur. Repos, si vous voulez pas un prématuré. En tout cas, je veux vous remercier, sergent. Tiens. Je t'avais dit de la tisane, le thé, ça énerve. Veux-tu qu'elle ait des contractions? Excuse. Tiens, c'est la boule d'eau chaude. Tenez, ça va vous faire du bien. Bon, c'est parfait, là. Merci. Monte donc le chauffage un peu. Maurice! C'est ce qui arrive, donc là, là. Tout est sous contrôle. Non, inquiète-toi pas, Maurice, tout va très bien. Alors, comment ça se fait que la police est là? Mmh. À cause de votre garçon. Hein? Votre femme pensait qu'elle perdait les os, alors il a appelé la police. Un vrai bon gars que vous avez là. Il s'occupe bien de sa mère. Vous pouvez lui faire confiance. Merci, Jeff. Quand est-ce qu'il va revenir, le sergent Hébert? Je peux pas vous dire, il est parti tout de suite. Ben oui, vous allez pas la garder ici comme une criminelle. Monsieur, injurier un policier en service, c'est une offense grave. Je suis sûr qu'elle a pas fait exprès. Vous direz ça au sergent Hébert. Non, mais vous savez, des fois, ça emporte, là, puis elle dit des affaires qu'elle pense même pas. C'est parce qu'elle fait un métier qui est très dur pour les nerfs. Elle est dans la police. Non, elle est pilote d'avion. Tiens, regardez, uh-huh. c'est sa photo, ça. Excellent. Très. Uh-huh. Oui, c'est vrai que le sergent Hébert a un bien mauvais caractère des fois. Ah, elle aussi, hein, uh-huh. c'est le stress qui fait ça. Bon, ben, allez-y donc. Je vais y expliquer. Ah, merci beaucoup. Tu es libre, ma chérie. Entrez. Mm-hmm. Bon, est-ce que je peux ouvrir les yeux? Non. Et non, pas tout de suite. Qu'est-ce que tu vas préparer, là? Viens t'asseoir, ici. Mm-hmm. Toujours les yeux fermés. Oui. Bon, c'est ça. C'est toi. Ah. OK. Tu peux ouvrir les yeux. Ah! Oh, que c'est beau, Maurice! Hey, t'as travaillé fort, hein? Aïe, aïe! Maintenant, tu peux accoucher n'importe quand. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Mais tu sais comment c'est important, l'image du père, hein? T'es fou, Maurice! J'ai pas... mis assez de temps avec les autres, c'est pour ça que j'ai des problèmes avec Jean-François. Mais lui et moi, on va apprendre à se connaître de bonne heure. Je te dis, j'ai eu une soirée épouvantable.
Ben non, je chuchote pas. Non, non, il y a personne ici. Je sais que je te l'avais promis, mais ce soir, je peux vraiment pas. Claire! Alors, accrochez. Cher Benoît, tu veux passer pour un chien fidèle, mais au fond, t'es un loup solitaire. Je commence à penser que moi non plus, j'étais pas faite pour porter une laisse. Mais t'attends. On va la retrouver. Oh, mais je veux pas te laisser toute seule. Phil. Quand on est divorcé, eh bien, je pense qu'il faut en profiter. Quand l'argent manque, les problèmes, eux, ne manquent pas. C'est une facette de la vie privée. À voir demain, 20h30.